Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bonjour, merci d'être avec nous au programme de la Coupe. Ça nous donne des matchs souvent très intenses. Hein, ouais, salut Hervé, c'est vrai qu'avec de l'intensité, on a quand même plus de chances de voir un bon spectacle. Alors Pierre, quand on regarde ce stade, on remarque tout de suite qu'il y a des spectateurs qui ont plus de chances que les autres. Hein. Ah, ça, c'est quand il y a grand soleil. Hein. C'est un peu comme en Espagne. Hein. Soit t'es à l'ombre, soit t'en prends plein ta tête. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Ouais, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, avec un public qui a répondu présent. Il s'avance vers la surface. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Ouais, ben, interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ça n'ira pas plus loin. Dean Flaman. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il est dépossédé du ballon. Dean Flaman. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Le gardien qui va pouvoir se dégager. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, il lui redonne. Dean Flaman.
Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah non, ballon perdu. C'est Reggie. Dean Ferman. On s'approche de la zone de vérité. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Bonne protection du ballon là, bien compris sur ses jambes. Il avance encore. Il parvient à stopper cette offensive. Dean Ferman. Là, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'a rien à dire. Les 30 derniers mètres. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. C'est réglé. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Dean Ferman. Peut-être une situation intéressante là. Et bien l'intervention, changement de possession. Et le dernier mot pour le gardien. Il passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. On s'approche du but. C'est réglé. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ballon bien donné de la tête. Non, ça ne passe pas. Attention, ça peut être dangereux. Maxwell Cornet. Toujours autant d'incertitude après 45 minutes dans ce huitième de finale. Ouais, écoute, il y a du suspense, on ne va pas s'en plaindre, du vrai suspense, hein, pas du réchauffé. Et je vois vraiment pas qui va se qualifier aujourd'hui. Le jeu qui reprend pour 45 minutes. Pierre, on espère que la partie va gagner en intérêt. Ouais, parce que pour l'instant, Hervé, hein, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Ça part bien, action dangereuse. Alors, l'autre assistant qui a levé son drapeau, le but est refusé. Je n'est pas sûr que les attaquants soient d'accord là. On va revoir hein, ce but refusé pour hors-jeu, pour se faire une idée. Et l'arbitre assistant qui semble avoir raison sur cette décision. Il s'avance vers la surface. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Ah, excellente défense sur ce coup. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Encore un bon ballon. Jean-Philippe Bamin.
dégagement pour éloigner le danger. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est réglé. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Il va y avoir un changement. Flamman. On a peut-être une bonne occasion. Arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? Alors le ballon est perdu. On écarte le jeu. Allez, ils vont jouer la touche. Il la joue vite à la touche. Pas de temps mort. Là, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'a rien à dire. Ah ouais, c'est bien fait ça. Attention le tir. L'action était belle. Elle aurait mérité un meilleur sort. Ah, c'est dommage, hein. Il a manqué de lucidité, je pense. Alors qu'on va procéder à un changement. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, il lui redonne. Au centre, il a vu ses coéquipiers. C'est réglé. Flamman. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Serge Aurier. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah, et bien vu, mais mal dosé, ça va aller jusqu'au gardien. Dean Flamman. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bien joué, il se tacle dans la surface. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Tim Ferman.
ça part bien, action dangereuse. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il avance encore. Ça joue encore, mais la défense est en place. La grosse occasion pour prendre l'avantage. On n'a pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. Et c'est fini, voilà, ils n'auront pas réussi à se départager en 90 minutes. Espérons que la prolongation suffira. Ouais, c'est parti dans cette prolongation, Pierre. C'est que les organismes ont déjà pas mal souffert, mais bon, les joueurs, ils vont devoir aller chercher au fond d'eux-mêmes. Alors, carton ou pas pour cette faute ? Dangereuse. Allez, il continue. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Il centre au premier poteau. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là, on était plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Bonne intervention du gardien. On en reste sur ce score de parité. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Oh, l'occasion! Le gardien qui ne peut que repousser. Allez. Oh, quel réflexe! Oh, quelle parade! Magnifique! Et c'était pas évident à cette distance. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ça part au premier. Ah, c'est un problème pour le gardien, ce centre. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Allez, il y a du monde pour reprendre. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Et il gagne quelques mètres. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Le gardien qui se frise sur cette tête. À peu près depuis le fait, hein. Ça n'arrête pas si. C'est terminé pour la première période de la prolongation. On va changer de côté. Allez, deuxième période de cette prolongation. Et à mon avis, en regardant les joueurs sur le terrain, je pense que certains risquent d'avoir des crampes. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Dean Foreman, peut-être une bonne opportunité, attention. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Qui soit les siens sur cette intervention, toujours 0-0. Belle passe de la tête. Bailly. Ah non, ça donnera rien, le ballon était donné trop fort. On s'approche de la zone de vérité. Bon tacle, mais ce n'est pas fini.
Les prolongations sont presque finies. On se rapproche à grands pas des tirs au but. Ah, la passe n'arrive pas à destination. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Et c'est une balle de match. Peut-être pas l'occasion du match, mais ça aurait pu marcher. Ouais, toujours 0-0. Ça aurait été pourtant sympa d'ouvrir le score là-dessus. Dans deux minutes, la prolongation sera terminée. Et ça profite à l'attaque, l'arbitre qui... On va observer quand même la décision de l'arbitre. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert, Pierre. Ouais, on aurait pu en voir quelques autres, mais jusqu'ici les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ça explique cela. Ah, le but assassin, le but qui fait mal, le voilà. C'est clair, Hervé, ils prennent l'avantage au meilleur moment peut-être. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah, il lui redonne. L'arbitre qui met donc fin à ce match marathon. Et voilà, c'est fini. C'est fini sur cette défaite. Un huitième de finale qu'ils auront mal négocié.